Bonjour, rebonjour Loïs, vous voulez bien ? Oui, bonjour Christelle, bonjour à tous, tu regardes à nous, tu retrouves à nous dans le Cosa la Fée. Et chemin bande réserviste, là t'es long aujourd'hui, dernier épisode, nous te feuilletons sur deuxième RPIMA, comment ben elle en sort ta zote ? Alors ben un peu, là Paris vaut bout, hein. Je m'avais dit, oh t'es pas facile, alors on a un, la gagne la dingue dans son moustique, on a deux, ça a compris, mission là, t'es pas pousote, mais ça que l'arrive au bout, ça que la tient beau, on a fille à tes pousotes. Pas de diplôme, juste un petit béret rouge. Mon petit béret, sac bande para, la compagnie Bouabon. Avec ça, zot et fia pour faire parade, fia surtout, bande famille la nuit, veille à zot là-bas, tampon. On a, ça a été un bon cérémonie, ça. Parachutiste du 2 et d'ailleurs, vous rejoignez désormais la compagnie de Bourbon, compagnie de tradition de l'île de la Réunion. Saclé de bout devant lieutenant-colonel 2e RPIMA, la rente d'Andron. Sur les rangs, un peu de dallon y manque. Zot l'a pas arrivé au bout de la formation. Pour Mathieu, Jérémy et bande stagiaire réservis, la tenue le choc. Grand jour à l'arrivée. Zot les fiers participe cérémonie là devant Zot famille, devant bonnes anciens militaires, devant Zot formateurs, Aster, Azot aussi, les droits de Paris soldats. Non, a gagné mon petit béret, ça que m'était attendre. Du coup, même si on a passé des petits paracouettes difficiles et tout, elle me l'est content. L'arrivée jusqu'au bout, là c'était une personne que la partie est vraiment dommage, franchement, moi désolé pour Zot. Mais le béret rouge, tout nous l'a mérité, et moi vraiment content pour ça. Et moi fier de toute ma section. Infiété Didier, son papa y partage. Même s'il n'était pas trop rassuré, lui l'a décidé de faire confiance, Jérémy. Pareil, bompé de parents, t'es là pour soutenir Zot Marmaille. Le fait qu'il se soit aujourd'hui manifesté pour pouvoir défendre son pays, c'est quelque chose de fort, de puissant. Je pense que mon petit jeune, il est très intéressé par son pays justement. Et ça, c'est une fierté pour moi, vraiment, c'est une très très grande fierté. Serve la France, Alexandrine la décide ça quand elle a vu défiler 14 juillet l'année dernière. Elle ne fait pas trop sport, elle n'est pas encore gagne 18 ans, mais quand elle l'idée, elle est dans son tête, elle n'est pas dans son pied. Je voulais le béret, je le veux sans ma tête, du coup je l'ai eu. Mais aussi le fait de rester avec mon groupe, ça m'a fait du bien parce que c'est devenu un peu ma famille maintenant au bout de 2 semaines et c'est super. Elle a son grand frère, mon petit cousin, qui est aussi sous-officier dans l'armée de terre. Donc voilà, quelque part, c'est pas un monde inconnu, même si c'est pas peut-être son milieu de prédilection parce qu'elle y aime beaucoup les beaux-arts, elle veut faire des études là-dedans. Mais voilà, le fait qu'elle fait ça aujourd'hui, sans aucun doute, m'y connaît qu'elle est capable. Quand bande réserviste, la passeportaille 2e RPIMA, Zot est encore marmaille, Aster, Zot les soldats. Jusqu'à Zot formateur, lequel est un peu gros pour remise bande béret rouge. Je trouve ça très émouvant de voir ces petits jeunes qui sortent de chez eux, marcher au pas. Ils ont tiré de 12 000 cartouches, donc tirer en sécurité avec efficacité 12 000 cartouches et avoir envie de revenir. Donc oui, je suis fier d'eux. Monte la garde, fait opération pour aide population, fait protection contre attentats. Petit lampe, Zot sa gaine responsabilité. Il ne faut pas oublier ce que dit nos grands mounes, hein, que l'armée c'est l'école de la réussite, l'école de la rigueur, l'école de la discipline. Et bonne jeune en ce moment, mais pense que Zot a besoin de repères. Et nous, on est là pour ça, pour aider Zot à retrouver des repères. Un affaire est sûr, si Zot les finiront de soldats, Zot il s'est continué forme à Zot pour être toujours amélioré. Avec bande para, l'entraînement les pousse tout le temps. L'entraînement encore, encore et encore pour connaître quoi il faut faire s'il arrive un lariage. De la vue, on avait dans le reportage aussi bande Manzel que l'a fait le formation, que l'a arrive au bout. Tout ça pour dire que les physiques, mais c'est surtout dans le coco qu'il faut être solide pour venir réserviste, Christelle. Et avant votre prochain entraînement, Dawars, on a le temps, fait un petit peu la fête, écrase un bon Maloya. Alors, battu rouleur, fait son piqueur, sati, secouille le caillon. Mais la rencontre à un bout, Christelle, bon, a écrit lui l'encyclopédie. Et à cause ça, dis pas moi, il a apprendre Maloya dans le livre, Loïs. Mieux que ça, figure-toi, Christelle, c'est lui qui a écrit le livre, premier livre que est accessible pour toutes deux mounes sur Maloya. Là-dedans, ça, où on va connaître tout ça, où on a besoin de connaître sur Maloya. D'ailleurs, Bougla, on connaît, lui a grandi son famille là, au lieu de faire manger. Il t'a fait manger Maloya, apparemment, depuis qu'il est petit. Et il fait que la fait pousse à lui. Et aujourd'hui, on peut poser des questions comme on veut, lui connaît toute une Maloya. Dans le fond de cour, Manapani les bas, par côté maison Maloya, Stéphane Grondin, il se souvient, lui la pousse dans de la musique. Pas ça que Comella, sur UMP3, a cédé l'ordinateur. Ça que son grand-mère, t'es fait écoute à lui. T'es petit maman, tu tombes, t'es en sache mémé, si t'es 20 ici, le 20X. Et ben, t'es le premier morceau vraiment local qui m'a l'apprendre, c'est monsieur Benoît Boula avec Maxime Laop.
m'y rappelle un jour, ton 45 tours, tu es lavé santé, un joli chanson d'amour. Maxime Lorbu chante ça. Après, Benoît, il dit, moi aussi m'y crois, tu chantes déjà. Un joli Sega créole fait péter la colle. Benoît, ton voile était joli. Benoît, tu répètes, les tiennes t'es jolies aussi. Notre délai bien vrai, nous l'a pris 20 ans, depuis longtemps. T'as été petit marmé, avec quoi, 5-6 ans? Il faut croire, bande grain conflore, son papa la mettre dans le caillon pour le groupe Zanzibar, l'a fait cool Maloya dans son veine. Avec son bandalon l'a croisé, lui l'a fait mûrir ça jusqu'à jouer plus d'un millier de morceaux. Nous entendons dire Maloya, Maloya, Maloya. Ben, nous, Diable Saint-Joseph, nous n'avons jamais trop vu vraiment. Nous regardons un peu, et bien, disons, le premier morceau, vraiment, là, marque à moi un plus, ben, c'était Valé Valé avec le roi dans les bois. Ça, c'est le premier morceau, c'est le. C'est la porte d'entrée de Maloya, c'est le premier classique à connaître pour Maloya. Ça y appelle le cabaret, ça. Et là, il casse, il chante Maloya, il dit « On nous l'attendit, le roi dans nous bas, la reine l'arrivée. On nous l'attendit, le roi dans nous bas, la reine l'arrivée. » Instruments Maloya, Bonna t'a fait ça exact et trouve dans le fond de la cour. Après ça, le temps l'a passé, jusqu'à bonnes artistes l'a fait cassette et 45 tours Maloya. Zhistoire l'a dit l'a fait, Zhistoire que à Maloya rituel. Et pas rien que ça. Yvray Lagarigue, le beau chrétien Maviri, qui jouait dans la même troupe, mais qui a chanté la chanson à Maloya, une chronique quand le volcan l'a coulé, c'est un 377, le volcan l'a coulé, mais la sortie juste l'année d'après, c'est pour chroniquer la coulée du volcan dans le village plutôt Sainte-Rose, Bois Blanc. L'année 77, bon Dieu l'a fait voir à nous, bon Dieu l'a fait voir à nous, des certaines choses nous t'es jamais vie, les jours à la semaine sainte. Comme cette semaine même, bon Dieu les dents sont souffrances. Le diable il apprend pouvoir, il amende son commandement pour envahir la population. Ça l'a pas volcan l'a coulé, ça l'a pas volcan l'a coulé, ça l'a pas volcan l'a coulé, ça l'a que grand diable l'a pété. 2011, Stéphane Grondin la sort de première édition son livre Maloya. Jusqu'à ministère de la culture, la trouve ça t'es gadiam. Mais on entend dire ici et là que oui, c'est une musique orale, n'a pas rien l'écriture, on a très peu de choses l'écrit, l'écrit par des universitaires ou par des personnes qui n'ont pas forcément n'a pas baigné dans le milieu. Ben, me dit ben pourquoi pas, mais pas de picouillon qu'un autre. Et moi, là, trouve l'idée, me dit ben serait bien de mettre à l'île sur un support moderne, un support écrit parce que ben, les paroles s'en vont, les écrire. Côté où les tonnerres, côté où les ticots. 7 ans après, Stéphane Grondin la décide de rajouter son bande d'expérience sur la gaine en son bande d'arboutant Maloya. Zhistoire lui l'a écrit pour matérialiser ce que l'UNESCO y appelle patrimoine culturel immatériel mondial. Au rythme du Maloya, nouvelle édition. Stéphane Grondin l'a écrit pour renouer ensemble notre racine musique pays. Jolie musique là, il nous reste dans l'art, Loïs et Aster nous cause photo. Oui, puisque pour faire gaillard photo, il faut bon photographe. Le book nous causé Christelle, il a connu bande pellicule noir et blanc. Il a connu bande diapo, il connaît bonnes affaires aujourd'hui, photo numérique là, bande book. Ah. Il connaît pas quoi il veut dire tout ça là. Premier début, maman, quand elle a vu son image, elle me dit comment juste travail, ou à mon cheveu blanc, il fait un petit bout de temps, on ne me dira pas où quand. Mais j'en dis encore. N'a bon peu de bon, il apprécie son travail, mais il connaît pas qui que c'est lui. Par le fait, lui, il est vraiment un beau discret. 1992, dans le magazine Plein Sud, Domouni voit qui que c'est Alain Diaz pour premier coup. Bernard Grolier, journaliste dans une revue là, l'a écrit à l'article pour présenter le fameux Billy. Lui souvient de ça comme si c'était hier. J'ai donc rencontré ce personnage qui est Alain Diaz. J'ai découvert un passionné d'Asie. C'était le thème qu'il avait choisi pour son portfolio. Il m'a parlé très longuement, comme il est capable de le faire, de ses voyages en Asie. Alain Courbis, t'es journaliste Le Quotidien quand lui l'a connu Alain Diaz. Avant d'être camarade Zot 2, t'es IMT aux photos. Zot et Rod aussi, bonne couleur l'Orient. Sac, bonne moine bouddhiste. Nous avions un très fort attrait pour les temples bouddhistes, pour tout ce qui était lié à cette culture orientale qui est quand même assez fascinante et puis qui quelque part aussi nous permet aussi d'aller à la recherche d'une sérénité, d'un esprit zen. Et je crois qu'il y avait une réelle fascination pour ces monuments et puis tous les paysages, les couleurs, les lumières qui inspirent la paix, la beauté naturelle.
Tout de bande photographe professionnel La Réunion y connaît le bande images Alain Diaz, son goûter pour faire photo, lui maîtrise, lumière, cadre. En plus que ça, on a l'impression, bande de monde les vivants, les expressifs. Pas pour ça, son cheville gonfle. Assurément, sa simplicité, son humilité, dans un milieu où les égos sont souvent surdimensionnés, la relation qu'il a avec les gens font la qualité de ses images. Parce que sur le visage des gens que vous photographiez se reflète le regard que vous portez sur eux. Son lot de casquettes, Billy est caméraman depuis 1977. Il a connu FR3 Réunion, RFO, la première. Après 40 ans de carrière, lui ça va, sac son bandalon Nena Poudialu. C'est un artiste, hein, voilà, et que ben voilà, moi personnellement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs photographes de La Réunion. Et je pense qu'il a des trésors dans ses armoires, et j'aimerais bien, Billy, j'aimerais bien que tu profites de ta retraite pour nous montrer davantage tes images, soit en exposition, soit en édition. Je souhaite que ben il profite de ce temps libre qu'il va avoir maintenant pour encore cultiver ce talent qu'on apprécie chez lui, hein, notamment au niveau de la photographie, et puis juste pour pas qu'il oublie que c'est bien de prendre l'avion pour des destinations lointaines, mais que il faut franchir la route du littoral aussi pour venir voir les amis. On aura le temps de se voir et de passer du bon temps ensemble. En tout cas, profite bien et longue vie. Profite bien et longue vie, ça de la compris. Alain Diaz, Billy, c'est notre chef plateau. Billy, ou de bande d'allon, il demande à où. Alors, à quand une expo? Puisque l'expo, on n'a jamais vu. Il y en aura une bientôt. Ah, il y en aura une bientôt. D'accord. Donc, le scoop. Mais ouais. Mais j'aurai le temps maintenant. Voilà. Donc, merci à vous toutes. Voilà. Ça m'a fait chaud au cœur. Ok, on se revoit. Oui, merci à toi, Billy. Merci pour toutes ces petites attentions. Ouais, tu m'as dit que ça faisait 40 ans que tu étais là. 40 ans, tes photos, eh ben, ça fait longtemps. On voit aussi tes photos que tu prends toujours, même sur le plateau, tout même quand on est dans les couloirs. Donc, bonne retraite à toi, comme on a dit aussi à Camille. Bonne retraite et profitez encore. On vous dit à bientôt. C'est qu'un petit au revoir, Billy. Avec plaisir. En tout cas, merci, sans doute. En tout cas, on l'a bien noté. Réponse à Alain Courbis et à Bernard Grolier qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc, les confrères de la presse écrite, anciens confrères pour Alain. Et du coup, qui ont demandé à Alain de faire cette fameuse expo. Et le Til Expo nous retrouve bientôt. Avec plaisir. Les promis. Donc, on a beaucoup l'émotion aujourd'hui. Oui, bien sûr. 40 ans de carrière ici. Il a commencé, Billy, 1977. Il a commencé par développement de film. Après ça, l'unanimité. Technicien plateau, Aster chef plateau. Vraiment, merci Billy pour tout ça qu'on a fait pour notre grande maison. Avec plaisir. Merci Billy. Pleure pas Billy. Et prends non, pas de problème. Prends une petite tasse romarin sinon, Billy. Écoute ça. Écoute le Cosmo Raymond Lucas. Un petit tasse romarin pour saisissement au joli cœur pour refaire. Un petit Cosmo Raymond Lucas. Il cause à nous de bonnes faux amis, Jordi Louis. Oui, attention, pas en garde. Il a beaucoup de mots. Et ben, même s'il prononce pareil, et ben, il ne veut pas dire du tout le même plante. Et surtout, il n'a point le même VHU. Et il faut nous faire attention. Sinon ça, il fout à nous dans le fond. C'est le petit causement de Raymond Lucas. On de la langue créole et la langue française. N'en a des mots qui ne veulent pas dire du tout la même chose. Elle dit qu'on est tout figue dans le coin, la cour là-bas. Ça l'a pas figue, ça. Ça banane. Ouais, la pas figue comme figue en France. Quand où ils mangent bazar des pistaches grillées, ils passent. Pistaches grillées, pistaches grillées. Où il y a certains moques. Là où proprement le pistache ou là. Où après ils mangent cacahuète ou l'arachide, ou à l'indie pistache, mais n'a point le même sens qu'en France. Ils appellent ça des faux amis. Un camarade, un jour, il dit avec son bande de fait cycliste tous les matins, il dit, aujourd'hui, mais quand il parlait, pas moi, n'a un clou sur mon derrière. En France, un clou, il dit, ben, c'est une pointe pour le clou de le plan. Non, pour nous, un clou, c'est un furoncle. Ou à, et en France, en français, en langue française, un clou, c'est une pointe pour fixer une planche sur quelque chose. Ça, il appelle les faux amis. Le même mot, il ne veut pas dire la même chose. Ah, non seulement il n'a pas la même propriété, c'est qu'il ne ressemble pas du tout. C'est que même morphologiquement, c'est pas le même. Où t'es, un tout banane, il ne ressemble pas à un pied figué. Dans le temps longtemps, on a un siècle, des siècles, cela, là. Quand Bonne Bouc, t'es voyage sur bateau, d'avoir été amène bonne figue confit,
Et quand eux ils arrivent ici, eux ils passent sur Madagascar, ils passent sur la Réunion, nous de bananes, quand nous t'es fait sec à lit au soleil, l'été comme le figue confit, eh ben voilà, le banane, là, ni figue. Ouais, probablement ça c'est mon hypothèse, c'est à approfondir. Et là, m'invite bon jeune de l'université de faire une recherche là-dessus. Comment le nom l'a évolué du mot français au mot créole et l'adapte-lui sur un autre objet, sur une autre plante. Là, il y a un travail en profondeur à faire. Bon jeune, je l'ai entendu. Astéa, toutes les dans un man, il y a beaucoup de recherches pour faire et il faut trouver le bonne solution pour expliquer un petit peu comment l'a fait tout ce bon changement à travers le temps. Que ça l'a fait déterminer. On la retrouve samedi prochain, Louis. Samedi prochain, Christelle, avec plaisir. À samedi.